dans le livre de la Genèse, a fait lui-même le récit de 2000 ans d'existence de l'humanité ici-bas. Il a fait le récit de 2000 ans de vie de l'humanité ici-bas, avec ses propres mots et en choisissant les histoires qui se sont réellement déroulées. Quand on dit histoire, dans le langage de la parole de Dieu, il n'est pas question du récit des événements passés, mais il est plutôt question du développement d'une humanité. Pour Dieu, l'histoire est le développement de l'humanité. À tel point que même le millénium qui viendra fait partie de l'histoire de Dieu, c'est-à-dire du développement de l'humanité de Dieu. Amen. Moïse, après avoir consigné 2000 ans d'histoire de l'humanité du Dieu jamais d'être jusqu'à la mort de Joseph, il avait le droit de se poser mille et une questions, mais parce qu'il avait un récit qui s'est étendu sur 2000 ans, que Dieu lui a guidé comme ça, comme je suis en train de vous apporter cette révélation. Cet homme a eu des réflexions et il a compris que 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme le jour d'hier. En d'autres termes, le jour d'hier de Dieu équivale à 1000 ans. Et il n'y a pas seulement que Moïse y a eu à faire une réflexion, mais le Saint-Esprit, pour confirmer la réflexion de Moïse, va parler à Pierre. Parce que vous allez bien vous rendre compte quelle est l'importance d'avoir donné cet indice prophétique pour expliquer ce qui se passe. Pourquoi un jour de Dieu équivaut à 1000 ans pour l'homme. Amen. Nous allons prendre 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Ce qui devient à dire que lorsque Dieu dit un jour pour moi, Dieu, pour nous, humanité, ce sont 1000 ans. Par conséquent, si notre Seigneur a dit à travers pendant 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour, nous savons donc qu'il a travaillé pendant 6000 ans et qu'il doit se reposer lors du 7e année. Amen. C'est cette période du 7e millénaire, le 7e mille ans, que nous appelons le millénium. Or, le millénium doit commencer d'un moment à un autre. Il y a certaines religions qui pensaient depuis les années 90 que l'an 2000 serait le commencement du millénium. Amen. Mais l'an 2000 est derrière nous de 10 ans. Il y a plein de choses qui se passent. C'est que notre manière de compter a un problème. Parce que pour lui, Dieu, une année est égale à 360 jours. Et un mois est égale à 30 jours. C'est comme ça qu'Israël comptait dans les temps passés. Comme Israël est le peuple terrestre de Dieu, quand on compte Israël, c'est comme on compte le Seigneur. Amen. Et donc, pour nous, nous savons que tout ceci est approximatif. Parce que nous sommes dans l'ordre du temps. Et surtout parce que nous savons que Dieu change les temps et les circonstances.
Par conséquent, il y a quelque chose qui doit arriver. Et notre Dieu, pour nous signaler qu'il va commencer le millénaire, il y a des événements qui doivent arriver. Alléluia. Et ce sont ces événements-là que nous allons nous efforcer à éclaircir pour que vous puissiez bien comprendre ce qui va arriver bientôt. Déjà, à partir de ce que je viens de vous montrer, nous avons la certitude qu'un jour de Dieu est égal à 1 000 000 pour l'humanité. Amen. Et comme nous avons tout notre temps, je vais prendre encore un texte de la Bible pour signifier cette chose, se rapportant aux 2 000 ans qui viennent de s'écouler de l'édification de l'Église. Parce que l'Église a commencé à être édifiée en l'an 30, lorsque le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Amen. C'est en ce moment-là que l'Église a commencé à être édifiée. Vous devez faire des efforts pour comprendre la parole. Vous ne devez pas avoir toujours la face des ignorants. Parce que si vous êtes ignorant, eh bien, les faux docteurs vous conduiront dans l'ignorance et vous serez détruits, et vous et les faux docteurs qui vous croyez. Parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 15, 14 à 15, tout arbre que mon Père n'a planté sera déraciné. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans le tout. Alléluia. Amen. Vous allez ajouter à ces paroles de Matthieu chapitre 15, 14 à 15, la parole de Matthieu chapitre 7, 21 à 23, qui déclare: ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père, mais ceux-là qui font la volonté de mon Seigneur. Ils diront: n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens? Non, il n'a pas parlé des gens. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Parce qu'il est impossible de guérir quelqu'un par le nom de Jésus et que ce soit faux. On peut te donner une prophétie vraie et qui ne vient pas de Dieu. On peut chasser les démons et que les démons sont vraiment sortis, mais ce n'est pas par la puissance de Dieu que cela a été fait. On peut faire un miracle, qui soit vraiment un miracle, mais ce n'est pas la puissance de Satan que cela a été fait. Mais on ne fera jamais une guérison qui soit faite par la puissance de Satan. Parce qu'un seul guéri, c'est le Dieu qui est seul. Raphaël, Jéhovah Rapha, Jésus Rapha, seul Jésus-Christ. Et amen. Tu peux avoir un semblant de guérison, mais ce n'est pas la guérison. Parce que seul le Seigneur guérit. Mais les miracles, il y a des faux miracles qui apparaissent auprès de les hommes. Les prophéties, il y a des fausses prophéties qui apparaissent auprès de les hommes. La délivrance, il y a de la fausse délivrance qui apparaît auprès de les hommes, mais accompli par le diable. Comme cela est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 7 à 12. Amen.